De la semaine de Pâques. Oui. Activité pour les tout petits. Tout petits, puis même assez grands, jusqu'à 12 ans. Okay. On parle toujours que cette activité-là, c'est financé, c'est commandité par le groupe Boralex. Boralex, c'est la centrale officielle de toutes les activités jeunesse. Alors, Joanne, les tout petits nous ont trouvé des œufs dans la cour tout à l'heure. Oui. Et dans ces œufs, il y a ce qui va se dérouler dans la journée de l'activité de Pâques. OK, puis. OK, alors. Un hasard, est-ce le bon? Je ne sais pas, je vais te le laisser lire. Le 21 avril, de 10h à 14h devant la CPE, des groupes de 2 à 12 ans sont attendus avec leur famille pour la fête de Pâques, pour fêter ça avec la garderie. Oui, c'est ça. La garderie, le comité du centième? Oui, on va être sur place. Puis avec peut-être d'autres collègues de la garderie pour m'aider. Un autre coco? Je l'ouvre. Raymond, je pense qu'il va nous le lire. Alors, il y aura aussi, dans cette journée de Pâques au centre CPE Boutchou-Cascou, il y aura une chasse au coco qui se déroulera dans la cour du CPE. 4 chasses auront lieu par groupe d'âge. Une inscription est nécessaire car les places sont limitées. C'est sûr que pour pouvoir bien préparer l'activité, les gens devront se préparer et s'inscrire à l'avance. C'est ça. Mais où s'inscrit-on, Joanne? C'est pas encore déterminé. On va l'inscrire quand on va être prêt pour les inscriptions. On va l'annoncer sur le site. D'abord, on va tirer au hasard le coco numéro 3 en espérant que tu tires le bon. Prends pas le bleu. On va le faire lire à Raymond vu qu'il y a des bons yeux, pas de lunettes. Alors, d'accord. Le lapin de Pâques sera sur place. Oui. Oui, absolument. Mon Dieu. Pour s'assurer que tout se déroulera bien, il y aura également une mini-fermette. Une mini-fermette? Oui. Elle vient de où? Elle vient de Val-d'Or. C'est la mini-ferme des Trois Vents. Ah oui! Du domaine des Trois Vers, je pensais. Qu'allons-nous avoir comme animaux? Ça dépend de la température, pour vrai. Si c'est la température est clémente, on va avoir tous les gros animaux, plus les petits, les oiseaux, les petites bêtes. Sinon, ça va être juste les gros parce que c'est dehors. Il va y avoir un photographe sur place. Le dernier coco, c'est qui? Ah, oh, j'ai le pire, j'ai Luc le lit. Vas-y, mon beau Luc! Certaines activités auront des frais de retoucher. Surveillez la page Facebook du centième au courant du mois pour les détails et les inscriptions. Oui, parce qu'il y aura une petite inscription, mais beaucoup de cadeaux. C'est ça, l'enfant ne partira pas les mains vides. Félicitations. Vous faites vraiment du bon travail. Belle organisation. Oui, en tout temps, là. Oui, belle chance. Merci. Hey, y'en a-tu ici? Y'en a-tu la tête? Allez! À travers les événements, descendant ans de Sainte-Terre, je me rappelle plein de gens qui ont fait notre histoire. Sainte-Terre, c'est à ton tour de te faire parler d'amour. Je me rappelle la boulangerie, le cordonnier, la laiterie, nos scieries, Joe Lamarche, Notaoué et Paradis, la construction du viaduc, les rues en gravel, le docteur Bolduc et le fameux couvre-feu du chef Amel.